Bon, eh bien, 10 heures, un souffle d'air, c'est reparti. On est le 21 juin, c'est donc reparti. On n'a pas encore hissé le génois. On vient de faire un départ sous voile, évidemment. Pas de moteur, pas de moteur, surtout pas. Bon, il va bien falloir le faire mouiller, tourner un moment ou un autre, parce qu'il faut un peu recharger les batteries. Alors voilà, aujourd'hui on ne va pas faire une grande navigation. On va aller là-bas derrière, comme je le disais tout à l'heure, se mettre à l'abri du Mistral en attendant. Alors est-ce que je descends jusque sous le Cap Bénin, du côté Bormes-Lavandou, ou est-ce que je reste Badine ici? On va voir, je vais peut-être rester Badine ici. Voilà, en attendant, on va hisser le génois, c'est parti. Oui, ben ça c'est une vue classique. Alors voilà, on est dans la passe de Porquerolles. Voilà, le Rouveau et l'Angoustier là derrière. Et des tas de petits voiliers qui remontent. Il y en a plus qui remontent que de ceux qui descendent. Allez. Alors, petit point de vue sur la baie des Langoustiers à Porquerolles. Toujours aussi beau. Il n'y a pas tellement de bateaux. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, il y a une 11, entre 10 et 15. Mais j'en ai compté 11 à l'arrache. C'est un peu normal parce qu'avec ce qu'ils annoncent, c'est pas trop le temps de rester au Langoustier qui va pas tarder à ne plus être très bien abrité. Voilà. Et nous, ben, on va virer de bord. Là, quand on va arriver là. Et puis on va repartir par là-bas. Voilà. Et on va aller se mettre à l'abri là-bas derrière. C'est là où on sera bien. Allez, on verra ça plus tard. Alors là, on va pas passer trop près, bien que nous sommes assez près. Voilà, de la côte, le Rouveau, Porquerolles, nous venons de là-bas. On va passer derrière le Zodle. Voilà, et après on va aller au fond. Se mettre à l'abri. Ça commence un petit peu, on voit la mer qui s'irise. Allez, direction. C'est fait, on a mouillé à la Badine. Alors voilà, c'est ici qu'on va passer quelques jours. Depuis que je suis arrivé, deux autres voiliers sont arrivés et il va sûrement en arriver d'autres parce que ça souffle. Donc on peut voir là que la moyenne de déplacement de la croisière en général est tombée à 3,9. C'est tombé et on a fait 41 000. Voilà, pour venir jusqu'ici, à peu près 80 km. Donc voilà, aujourd'hui on a fait ça, on était là, et puis on a fait ça. Et la trace violette, c'est la route directe. Ah non, on a fait ça, et on est revenu là, suis-je bête. On va zoomer, zoom, zoom. Donc, il y a le curseur, on est parti de là-bas. Hein. On peut voir que, par exemple, ici, on y était à... Et on va tout faire... Donc hier on est arrivé ici à 18h30, on voit la dernière marque. Ce matin on est parti à 10h12, on a viré de bord là un peu avant 10h33, voilà. Après on est redescendu, voilà, on est passé là à 11h04. On la passe, voilà, on suit la trace, on a viré de bord ici, hop, 2 heures après, à 10h07, midi 7, après on a tracé droit là, hop,
Voilà, on est passé là au cap à 12h30 et on est venu mouiller ici à la Badine. Ça, c'est le nom du à 12h44. Zoom, zoom, tintin. Voilà où nous sommes. Voilà, par 3 mètres de fond. Alors la question, que fait-on au mouillage? Certains se demandent peut-être, mais qu'est-ce qu'il fait au mouillage? Tout seul, il s'ennuie, c'est long. Ah ben surtout pas. D'abord, farniente. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Niente. Il fait rien, il lit. Bon, il nage. Il fait du sport. Il range. Il s'active. Il nettoie. Après, ben on va voir comment ça se concrétise. Alors déjà, dans le bateau, tout se doit d'être bien rangé, ou à peu près. Enfin, mon organisation perso. Alors, on va bouger. Par exemple, tout à l'heure, je suis allé à l'avant. Et puis, qu'est-ce que je découvre? Eh bien, que dans l'équipée, là, derrière le lavabo, ben, c'était humide. Rien d'étonnant. Hier, on a agité pas mal. Et donc, il y a de l'eau, pour un petit tabasco, qui pénètre un peu de tous les côtés. Donc, ben voilà, j'ai fait sécher, j'ai nettoyé. Là, toujours un petit coup d'œil à l'extérieur, hein, pas oublié. Petit tour d'horizon. Et chaque fois, se régaler de la belle vue. Voilà. Puis après, on prend la météo, très souvent. Là, je viens de la reprendre. Ça s'arrange pas, mais ça s'aggrave pas non plus. Voilà. Là, une petite liste, toujours des bricolages, petit bricolage à faire. Hein. Là, c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Des vis dans la cabine, à mettre à la porte, réparer la porte du placard. Ça, c'est pour bloquer des planches. Et voilà. L'intérieur, ben, j'essaie que ce soit toujours bien rangé hein, quand. Pas se laisser dépasser. Voilà, la cuisine, bah, pareil, je me suis fait le petit café. Et puis dehors, bah, l'espace sport avec les affaires là, et l'espace farniente, toujours bien installé. Tout autour, et bah, la plus grande piscine du monde, autour de la terrasse. Voilà, petit aperçu de comment ça se passe au mouillage. De pâtes, Tortellini, hein. Ah oui, oui, Tortellini, au mouillage, San Tabasco, dehors le vent, pas si fort que prévu, mais bon, on est bien là à l'abri, et quart de finale du championnat d'Europe. Voilà, c'est là que ça se passe. Allez, on va se régaler. Et demain, France-Espagne. Ou Espagne-France. Et ce soir, Tchéquie, Portugal. Allez, on est parti. On se régale. Bon. Ben, je viens de me lever. Il est pas tard. Hein. Il est pas tard du tout. 6h22. Et voilà la vue. La vue. Badine. Le bruit que l'on entend, c'est le tracteur qui nettoie la plage au fond. Voilà. Et voilà le mouillage au petit matin. Une merveille. J'ai passé une très bonne nuit. J'ai bien dormi. J'ai pas senti le vent, pas le vent. Je crois qu'il n'y en avait pas trop du vent en fait. On était bien. Bon, quand ça se passe comme ça, c'est que le vent prévu depuis hier commence à rentrer. C'est plus fort qu'hier. Et ça me réconforte d'être resté ici. Parce que là, on voit bien eh bien, que ça souffle. Ça fait pas semblant.
je trouve ça beau. C'est beau, un panier comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à montrer. Ça, et puis ma cafetière derrière qui m'a fait un bon. 18h30, la journée est passée. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai beaucoup bouquiné. J'ai lu, ouais, pas mal. Je suis allé promener ce matin à la nage, jeter mes poubelles, nager. Et ce soir, rebelote, je viens de nager un peu. Et bien là, ça souffle fort. Ça s'est vraiment levé là. Et ça se calme pas. Voilà. Et puis moi, oui, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben voilà. Voilà, voilà. Oh, ça souffle. Ouais. Vous remarquez rien? Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Allez, eh ben, on va se passer une nuit ici, tranquillou, tranquillette. Voilà, avec le vent qui souffle, qui souffle, qui souffle. On va le voir là. Ah, je me suis fait aussi un petit abri là pour être à l'abri du vent justement. Voilà ma ligne dans l'eau toujours et pas un poisson suicidaire pour ce soir tapis. Encore manger des sardines comme là. Bon, dehors ça souffle toujours, mais ça bon, c'est comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait le pire? Il est 20h24. Bon, ce soir, il ne va pas regarder le match parce que les batteries, l'alternateur, j'ai pas l'impression qu'il booste le maximum. Mais qu'est-ce qu'il fait alors le Pierrot? Eh ben, le Pierrot, il se fait à manger. Alors, on va aller voir ça de suite. Bon, alors, il se fait à manger. Voilà, là, on voit que ça souffle quand même. Hein. Mais qu'est-ce qu'il se fait à manger? Parce que c'est bien beau, ça. Alors, on va aller voir ça de suite. Miam, 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 ça cuit. La poêle, et si on soulève, waouh, des gnocchis, voilà, petite préparation de gnocchis maison avec des échalotes et un peu de saucisson des Pays Basques, voilà ça là, vous voyez, dur comme de la pierre, et bien je m'en sers comme un petit salé, parce que là il y a aussi du vrai saucisson, mais pour l'apéro, et bien sûr, de la bonne huile d'olive. Ça, c'est de l'italienne. Et alors, et qui c'est qui va se régaler? Alors, pour un petit café. Voilà. Allez. Miam, 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 miam. À table.